Mon cœur, lui, me dit de fuir, non, rester. Oh putain, je peux pas jouer comme ça. Bon, fin de répète. Après le renouveau et les succès, la fiction monte en puissance pour une saison deux fois plus brillante. C'est un beau sujet. Ah, mieux que ça, franchement, des scénarios de cette qualité, on n'en voit pas souvent. J'ai le dernier scénario des petits meurtres de la rentrée. C'est incroyable ce qui t'arrive. Je sais. Je vais retrouver celui qui a fait ça, je vous le promets. Les gens ont peur pour leurs enfants. Merde. C'est un cauchemar. J'ai l'impression que ça recommence. Ça pourrait être votre histoire. Des fictions près du réel. Mais après, tu vas appeler la police et je vais aller en prison. Je veux pas aller en prison. Des histoires pour s'évader. Je préfère mille fois devenir une courtisane que faire un mariage de raison. J'ai peur pour elle. Il s'est fabriqué une nouvelle identité. On appelle ces malades des voyageurs sans bagages. Moi, mon métier, c'est de protéger les gens des psychopathes. Je suis psychothérapeute. Votre métier, ça... ça marche, vraiment? Si le patient est motivé, ça peut faire beaucoup de bien, oui. Moi, je veux que ça boule de l'action, de l'énergie. Partout, c'est la guerre. Et nous, on nous demande de monter au front avec des lance-pierres et le code de déontologie sous le bras, face à des mecs qui nous attendent avec des armes de guerre et qui nous filment avec des téléphones portables pendant qu'on se fait canarder comme des cons. Des nouveaux rôles qui s'affirment. Personne ne refuse la crime. En acceptant ce poste, vous n'allez pas vous faire que des amis. Ça fait longtemps que j'ai appris à jouer avec les cartes qu'on me donne. Moi pas. Je préfère jouer avec celles que je distribue. J'ai besoin de rester sur cette enquête. Des personnages qui reviennent en force. On s'est déjà vus, non? Vous vous souvenez de rien, alors? Je crois que vous allez bien vous entendre tous les deux. Non, je saute pas sur le canard. Non, mais juste une fois, pour voir. Je ne saute pas sur le canard, c'est clair? Le casting est prêt. Pour cette agence, il n'y a que des stars. Donc chaque agent, en moyenne, 80 comédiens. En échange, on prend 10% de la rémunération. Bah voilà, ces 10%, c'est notre malédiction, ça nous fait une réputation de vautour. Les acteurs et les décors sont en place, les costumes sont ajustés, la lumière est bonne, alors action. Une petite eau là peut-être. On va une deuxième là parce que. Bon, stop, ça va. Ça t'arrive des fois de dire la vérité? Faut que tu continues de me faire confiance. Vous comprendrez bien qu'il ne peut pas y avoir deux veuves Simon Leibovitz au sein du même cabinet. Entièrement d'accord. Ça veut dire qu'une de nous deux est en trop. Et je veux vous faire chier, mais tu peux pas. Tu sais que pour ça, on peut faire confiance, hein? Chacun fait ce qui lui plaît, blablabla. Toujours plus d'ambition, encore plus de passion, une saison de folie. Voilà ! Chatoun, ça va, relax, c'est pas notre première rentrée, enfin. Ah ça, c'est sûr, c'est pas la première, mais à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez tous deux tensions. Allez, allez, allez ! Oula, t'as pas oublié quelque chose ? Ah oui, mon sac.